monde, c'est nous. Au cœur donc de cette édition d'appel sur le continent, et bien ce soir nous revenons pour apprécier et bien ce déplacement, cette volonté de la Côte d'Ivoire de d'aller véritablement à un apaisement avec son voisin malien sur le dossier concernant donc les 46 mercenaires ivoiriens qui sont détenus du côté du Mali depuis bientôt plus de 5 mois. C'est en tout cas une grosse équipe interministérielle donc qui a été reçu du côté du Mali, aux côtés donc du médiateur togolais. Les deux parties maliennes et ivoiriennes, nous dit-on, ont donc accepté, on va dire, de signer un document actant la libération des 46 mercenaires ivoirien, le renforcement des relations entre les deux pays. Le facilitateur togolais qui a donc joué bien sûr son rôle, mais bien avant des contacts, nous fêtons savoir, ont été initiés par appel téléphonique entre le président de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Dramane Ouattara, et le gouvernement de transition du côté du Mali. Va-t-on finalement parvenir à libérer ces 46 mercenaires quand on sait qu'il y a peu, et bien la CEDEAO avait demandé la libération Manu Militaire de ces derniers avant la date du 1er janvier 2023, à la suite effectivement de cette, on va dire, de cette pression venue de la CEDEAO, c'était également autour du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de mettre un peu plus de pression sur le gouvernement de transition du Mali, demandant effectivement non seulement requalifiant d'abord l'identité de ces militaires arrêtés du côté de Bamako, mais ce dernier demandait lui aussi la libération de ces derniers. Va-t-on parvenir finalement à libérer ces derniers, du moins à la suite de ce document stratégique qui a été signé entre les deux parties? On y fera le point tout au long de ce programme d'appel sur le continent qui s'ouvre à l'instant avec nos invités au cours ici, Baba Nicolo et Général Issa Diawara, qui nous retrouvent en multiplex. Messieurs, bienvenue à vous respectivement. Koussissi, bonsoir. Très chers camarades Fabrice Ndom, et respectivement à Joseph Fanny, à Afrique Média, l'équipe tout entière, au directeur du programme, et à l'Afrique plurielle, je tiens à saluer mon copanéliste, le général Diawara, du côté de l'équipe avec lui. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir invité pour qu'en ça on puisse épiloguer sur la décision et la démarche concernant la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Issa Diawara, bienvenue, bonsoir. Oui, bonsoir à vous, mon cher Fabrice Ndoum. Bonsoir également à mon frère Koussissi Baba Nicolo. Et bonsoir à toute l'équipe d'Afrique Média. Et nous saluons bien sûr la galaxie panafricaine. Merci pour cette invitation. Merci également à vous, très cher monsieur, que d'être là dans le cadre de cette édition d'appel sur le continent. Koussissi Baba Nicolo, première réaction sur cette délégation ministérielle ivoirienne qui a donc séjourné à Bamako hier, jeudi 22 décembre. À l'effet donc de parvenir à un accord, à une médiation parfaite en vue de la libération de ces 40. Mercenaires qui sont encore arrêtés, hein, du côté, détenus du côté de Bamako. Alors, première réaction, je souhaiterais d'abord réitérer au peuple malien tout mon respect pour avoir été stoïque, pour avoir été exécutant, pour ne pas dire perspicace sur ce dossier. Effectivement, dans le communiqué qui a accompagné la lecture de l'État malien, le message était clair. Il était de dire à toute l'Afrique et surtout au pays voisin, la Côte d'Ivoire qui est le mien, que ce problème était un problème bilatéral. Ce problème n'avait pas besoin qu'on aille appeler les adeptes de l'esclavage, de la néocolonisation, c'est-à-dire l'OTAN, la France et l'Occident. Ce problème était un problème entre la Côte d'Ivoire et son frère malien. Il fallait qu'on s'asseye, qu'on discute et qu'ensemble on essaie de prendre des gages pour ne plus que cela se répète, parce que le Mali avait compris que la Côte d'Ivoire était juste le iceberg d'un traquenard politico-international qui se mettait en place. Donc, c'est tout d'abord de dire bravo au peuple malien pour sa perspicacité, pour sa lecture réelle de la chose et aussi pour son panafricanisme. Aujourd'hui, c'est cette décision de ne plus être sous les jougs de l'Occident, c'est cette décision de demander totalement la souveraineté du Mali
c'est cette décision de libérer le Mali de tout le terrorisme avec le peuple malien et naturellement accordé et aidé par le peuple africain que nous sommes arrivés à un résultat où les impétrants, les Ouattaristes ne voulaient pas comprendre. On se rappelle qu'à Lomé, c'était un bras de fer, la Côte d'Ivoire se disait déjà maître de l'Afrique, qu'elle ne viendrait pas à se rabaisser, à respecter des putschistes, à respecter des preneurs d'otages. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ceux qui l'appelaient, ils traitaient de tous les noms sur des plateaux en Côte d'Ivoire. Ceux qui l'insultaient, ceux qu'aujourd'hui, ils opposaient leur jeunesse à leur peuple, ceux qui empêchaient les artistes de manifester, ceux qui empêchaient les convois de commerce d'entrée, on voit que M. Dama Ouattara, comme un petit chien, a mis sa queue entre les jambes et a ramené une délégation importante, une délégation du RDR de qualité, pour venir négocier. Ce qui était dit depuis le début, si Ouattara n'avait fait l'économie du temps, on ne serait pas là à attendre que tout récemment, la CDAO donne encore des ultimatums le 1er janvier. Nous tous attendons l'ultimatum le 1er janvier, malheureusement. Sinon, heureusement pour nous, Ouattara a compris qu'il a affaire à des gens qui se font respecter et le respect à ce mérite. Assimi Goïta et ses amis l'ont imposé. Donc vraiment, en première prise de parole, je tiens à dire bravo au peuple malien et nous l'accompagnons par rapport à la décision qu'ils vont prendre. Mais de naturellement ne pas oublier qu'en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Mali découle en Côte d'Ivoire avec l'arrestation de Mme Pichéry-Balé et nous espérons que les autorités maliennes mettront dans leur mémorandum Mme Pichéry-Balé pour qu'elle soit libérée comme on avait libéré les trois femmes mercenaires et qu'aujourd'hui on est en train de discuter pour les 46 autres mercenaires. Intelligent au cours Sissi Baba Nicolo, l'on ne saurait évoquer ce dossier de 46 mercenaires ivoiriens détenus du côté de la du Mali sans le cas de Pichéry-Balé et on y reviendra certainement pour finalement trouver la calmie totale et faire table rase autour de ce fait d'actualité. Écoutons tout d'abord, tout aussi j'arrive, le général Issa Diawara autour de ce fait d'actualité. Issa, quelle lecture vous vous faites en tout cas de ce sujet? Ok, merci. Une fois de plus, la lecture à ce sujet, je pense, je résume ça d'abord sur 6 points en tout. Le premier point, c'est qu'il faudrait savoir, c'est que Ouattara a tout fait pour négocier avec le Mali étant en position de force. Et il n'a pas réussi cela. En faisant appel à la CDAO, en faisant appel à l'ONU, c'était une façon vraiment de diminuer le Mali avant toute négociation bilatérale. Et cela a marché, je pense, il s'est frotté à des militaires de terrain, et bien sûr, qui s'y connaissent à la chose. Donc, je ne pense pas que cela a marché. Donc, aucune pression n'a pu fonctionner. Et même les quelques attaques des mercenaires ou autres, les tapages médiatiques de la France ou autres, aucune pression n'a marché. Et je vois que nous sommes revenus carrément à la case du départ. Là où Ouattara peut-être aurait dû commencer. Donc, 6 mois, c'est 6 mois de perdu. Je ne sais pas si l'opposition ivoirienne est suffisamment forte. Elle devait demander bien sûr des comptes à M. Ouattara. Pourquoi avoir perdu ces 6 mois? Parce qu'en réalité, nous sommes carrément au point de départ. Et deuxième chose qu'il faudrait retenir, le deuxième point, c'est qu'il y a échec. Il y a eu échec d'arracher cette médiation au Togo. Parce que Ouattara avait voulu confier la médiation à la CDAO, qui bien sûr devait être peut-être beaucoup plus favorable. Et je pense que ça n'a pas marché. Ni l'ONU, ni la CEDEAO n'ont réussi à s'approprier de la médiation de la crise qui est en cours. Et bien sûr, vous avez le Togo qui est resté médiateur du dossier. Et d'ailleurs, la délégation ivoirienne a été conduite par le ministre togolais, bien sûr, le professeur, en personne, c'est lui qui a porté la délégation ivoirienne au niveau de Bamako jusqu'au palais de Koulouba, où bien sûr, vous avez le président du Mali, le président de la transition. Le troisième point, c'est qu'il faudrait retenir, la leçon que moi je tire de cela, c'est que Ouattara avait surestimé les capacités de la CEDEAO et de l'ONU. Pour lui, les instances internationales, vu que ce sont ces instances-là qui lui ont amené au pouvoir, y compris les forces de l'ONU, qui lui ont amené au pouvoir au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est quelque chose qui pouvait marcher. Mais moi, je pense Ouattara devait tirer les leçons depuis d'abord les discours du Premier ministre Ablaye Maïga au niveau de l'ONU, lequel discours montre carrément que le Mali peut s'apprendre directement au secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres. Donc, il y a un proverbe qui dit que si vous voulez défier le fils,
il faut gifler les pères. Donc les papas étaient giflés, je ne vois pas pourquoi les fils voulaient s'entêter encore pendant aussi longtemps. Du moment où le premier ministre par intérim Ablaye Maïga a recadré Antonio Guterres, je ne voyais pas l'entêtement, en tout cas de Ouattara, et même Ambalo a été mis dans un petit sac, je ne voyais pas comment il continuait de compter sur l'ONU ou encore sur la CEDEAO. Quatrième leçon que moi je tire de cela, il faudrait voir surtout la composition de la délégation de la Côte d'Ivoire. C'est l'homme à tout faire du côté de la Côte d'Ivoire, notamment les propres jeunes frères du président Ouattara, et notamment Tene Ibrahima Ouattara. C'est lui qui est ministre d'État, ensuite il est le ministre de la Défense, et je pense même qu'il est le patron des renseignements. En fait, c'est lui qui est l'homme à tout faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est lui-même qui vient en personne. Or, c'est un dossier normalement qui devait être négocié par le ministre des Affaires étrangères. Et ensuite, cinquième chose qu'il faudrait retenir, et même avoir le cinquième point, il faudrait avoir aussi les gestes d'apaisement du côté du Mali, en permettant bien sûr que la délégation ivoirienne puisse voir en tout cas les conditions de détention de ces mercenaires. Une façon de dire que nous les tenons bien, nous n'avons à nous cacher à personne. Les voici, si vous pouvez faire quelque chose, venez. Une façon d'affirmer aussi la puissance du Mali, bien sûr, face en tout cas au clan Ouattara. Je pense honnêtement qu'ils ont, ils ont fait une pierre deux coups, un geste d'apaisement, mais une façon de réaffirmer la confiance du Mali en allant tout simplement montrer les lieux de détention, en tout cas de ces hommes de Ouattara qui sont détenus. Le cinquième point, moi je pense, la Côte d'Ivoire peut-être en a profité pour faire beaucoup de travaux. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, mais le clan Ouattara. Parce que nous avons vu qu'il y a eu des rencontres entre les ministres et leurs homologues en parallèle. Donc beaucoup de choses ont été faites, il y a eu beaucoup de discussions. Et d'ailleurs, c'est ce qui me conduit au dernier point de ma première prise de parole, cette question des mémorandums. Parce que dans ça, quand on arrive à un mémorandum où pourtant nous avons connaissance, Ouattara avait déjà crié que c'était une prise d'otage, un chantage et autres. Si on arrive à l'élaboration du mémorandum, en réalité, c'est la vérité qui est en train de triompher. Et je pense honnêtement, Ouattara est en train de revenir à la raison après avoir compté sur des gens pour lui qui avaient des muscles, mais qui en réalité n'avaient que des torses en carton, qui ne pouvaient rien faire et qui ne pouvaient pas tenir. Donc, quand aucune pression ne marche, quand aucun tapage ne marche, quand aucune grimace ne marche, on revient tout simplement à la raison, on évalue celui qui est en face de nous, on se rend compte de ses forces et maintenant on essaie de coopérer. Et je pense que nous sommes à la cage de départ. Pourquoi avoir perdu tout ce temps? C'est une perte de temps pour certains, mais pour moi c'est une façon aussi de montrer qu'une Afrique qui se libère ne se laisse pas intimider. Une Afrique qui se libère peut bien sûr s'affirmer devant toutes les pressions du monde, que nul ne peut vaincre un peuple aussi déterminé derrière ses autorités. Je vous remercie. Merci à vous, Missa Diarra. Je reviens à vous, Kossissi Baba Nicolo, parce que ce que relève quand même Issa Diarra est fort intéressant sur la démarche quand même des autorités de la Côte d'Ivoire, votre pays. On avait suivi avec beaucoup d'intérêt le gouvernement des transitions. Pour lui, il fallait absolument trouver une issue soit juridique ou alors une médiation. On est désormais sur la voie de la médiation, ce qui nous permet davantage de comprendre que l'on n'avait pas en face de nous un gouvernement va-t-en-guerre, parlant de celui du Mali. Mais après, quand on a écouté avec beaucoup d'intérêt Issa Diawara, il y a quand même cette menace qui perdurait, cette épée des Damoclès qui pesait entre guillemets sur le Mali, sur cette volonté de la CEDEAO, de cet ultimatum, on va le dire, de la CEDEAO qui demandait au Mali de libérer ces 46 mercenaires avant janvier 2023. Est-ce que dans le fond de la chose, dans la manière dont le dossier a été diligenté jusqu'ici, on peut écarter effectivement que cette médiation qui a mis sur pied n'a rien à voir avec cette menace venue de la CEDEAO? Alors, si épée de Damoclès il y a, je ne pense pas que l'épée de Damoclès soit sur la tête du peuple malien. Parce que le peuple malien, d'ores et déjà, avait précisé clairement
et avait expliqué, d'abord dans la voix du Premier ministre Choguel Maïga avant qu'il tombe malade, les raisons qui avaient poussé le Mali à traiter ces individus de mercenaires. Le Premier ministre Choguel Maïga a expliqué le déroulement de cette affaire rocambolesque. Donc, partant de là, il avait montré à la face du monde entier que le Mali ne faisait pas une action illégale. Le Mali essayait juste de comprendre pourquoi cette attitude d'un peuple frère. Et qu'il était important qu'avec ce peuple-là et ce frère-là, on puisse vider le contentieux qui créait un problème. Voilà où le problème est parti. Alors, si l'épée de Damoclès qu'il y a, comme vous l'avez expliqué, l'épée de Damoclès se trouve naturellement sur la tête de ceux qui ont envoyé les mercenaires, dont Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui, naturellement, comme l'a souligné Sadiawara, est venu dans les balises de la communauté internationale, qui a pensé que, en s'accoudant, en prenant pour tuteur la communauté internationale, vraiment, il allait arriver à résoudre ce problème comme il a toujours fait depuis sa venue au pouvoir par les armes en bombardant la ville de Rabobo, depuis sa deuxième candidature en tant que candidat dérivé de sa candidature exceptionnelle depuis 2011 à 2015, en tant que cette même communauté internationale dont l'OTAN, qui est son patron, l'a aidé à violer la Constitution, Ouattara a toujours eu quelque chose à devoir à cette force-là. Voilà pourquoi est-ce que, de prime abord, il n'a pas tenu à faire ce qu'il fait maintenant. Voilà pourquoi, de prime abord, il a eu les oreilles fermées et organisé même un coup d'État contre le Mali. On n'est pas tous amnésique de savoir que c'est sur le sol malien que des fils du Mali donnaient des ultimatums et se faisaient partir des présidents. C'est sur le sol ivoirien par appel téléphonique à Alassane Ouattara traitait le Mali de tous les noms d'oiseaux. C'est sur le sol ivoirien que le bateau tonnait avec 300 armées, 300 soldats français et des navires, des chars et des hélicoptères ont atterri. C'est du sol ivoirien que tout a été fomenté pour mettre un embargo sur le peuple malien jusqu'à déporter ce problème à l'ONU où il était copieusement éduqué, rééduqué par l'intelligent Premier ministre intérimaire Abdoulaye Maïga. Donc s'il y a effet de Damoclès, l'effet de Damoclès se trouve dans le camp de ceux qui ne veulent pas comprendre le nom du Mali. Un nom est un nom qui est légitime, un nom qui est un nom africain, un nom qui est un nom authentique qui résonne. Donc aujourd'hui, cette poursuite de maintenant venir négocier alors qu'on est parti à l'ONU, on est allé au sein de la CEDEAO à Abuja, on est retourné encore à New York jusqu'à revenir encore à Abuja pour décider que jusqu'au 1er janvier, si les soldats ne sont pas libérés, il y aura encore d'autres sanctions graves. Jusqu'au 1er janvier, si le Mali continue de garder ses soldats, le Mali verrait, en guillemets. Quoi ? Et qu'est-ce que devrait voir le Mali aujourd'hui ? Ouattara trahit ses copains à qui il a eu confiance. Ouattara vient de trahir Bazoum, il vient de trahir Ambalo, il vient de trahir Guterres, il vient de trahir Macron, il vient de trahir Joe Biden, il vient de trahir toute cette communauté internationale, il vient de trahir Macky Sall, qui a allé s'asseoir pour décider d'attaquer le Mali si le Mali ne libère pas ces gens. Alors, ça sert à quoi ? Qu'on commence une négociation avec un médiateur au Togo et qu'on se retrouve après à New York pour aller faire le compatriote et qu'après on se retrouve à Abuja aujourd'hui en catimini, comme un petit chat mouillé, comme un peureux, on vient prendre la voie qui a été demandée depuis le départ. Le peuple malien a dit que ce problème était un problème bilatéral. Le peuple malien a dit qu'il privilégiait le dialogue. Le peuple malien a dit qu'il n'avait pas de clé contre la Côte d'Ivoire. Sauf que les mercenaires, comme le dit la loi du Mali, ces mercenaires, comme l'impose la loi internationale, seront jugés. Mais c'est naturellement dans la main de la justice que ce problème s'est trouvé quand Ouattara a décidé de revenir à la raison. Mais il faut tirer ce mérite au stoïcisme du peuple malien, à la capacité de forger sa force autour de son peuple. Il faut dire bravo au peuple malien qui n'a pas planché derrière l'OTAN. Et c'est ce que nous regrettons avec nous, nos politiques à Côte d'Ivoire. Si nos politiques, par le peuple malien, depuis la violation constitutionnelle, étaient restées figées sur sa position de dire que Ouattara était illégal, illégitime et n'est pas président, aujourd'hui, Ouattara serait un vieux souvenir. Si nos politiques n'avaient pas accompagné Ouattara dans les élections législatives et après les élections municipales, aujourd'hui, Ouattara aurait abdiqué. Si nos politiques ne jouaient pas le jeu de Ouattara et étaient restés peuples sur sa décision comme le fait le Mali, aujourd'hui, Ouattara aurait été un has-been. Alors, nous disons simplement que à quoi ça sert aujourd'hui que Ouattara ait émeuté le monde entier
Ouattara est traité le peuple malien de tous les noms. Sur des plateaux ivoiriens, je le répète, que soient les chaînes RTI, que soient les chaînes privées de Mme Ouattara, cette terroriste-là, les gens ont insulté les Maliens, insulté Assimi Goïta, insulté tous les Maliens, ils ont empêché de la tête de manifester, ils ont empêché des convois de passer du Mali à la Côte d'Ivoire. Bon, ça servait à quoi? Tout ce tohu-bohu, tout ce carala, tout ça, pour ça, comme le directeur Abdel Boudé, tout cette comédie-là pour arriver là, où on vient maintenant commencer là où on devait commencer. Et puis rappelez-vous que à Lomé, le peuple malien avait demandé à l'État de Côte d'Ivoire de donner des gages, de plus déstabiliser le Mali, de s'excuser. Chose qu'ils avaient fait depuis ma mort. Et qu'à la grande surprise, sous injonction de la France, parce que Takuba et Parkan ont été chassés, parce que l'ambassadeur de France a été chassé, parce que les médias mensongers de la France ont été chassés, Ouattara s'est rebuffé, et chose qu'a suivi avec Ambalo et avec Bazoum. Donc aujourd'hui, revenir à la case de départ a été vraiment une perte de temps. Mais pourquoi? Est-ce que l'ultimatum donné via la CEDEAO tient? Est-ce que le 1er janvier, le Mali sera toujours bombardé? Alors, ma foi, il n'est plus d'actualité, puisque dans les conditions que vous avez données, ces conditions avaient pour paragraphe la libération de ces mercenaires-là. Est-ce que ce mémorandum sera fait et cause maintenant? Est-ce que ce mémorandum ira jusqu'au 1er janvier? Est-ce que Ouattara veut montrer encore à la face du monde qu'il a essayé? Ça, c'est des questions que tout le long de ce débat, nous allons en parler et puis observer dans la suite. Si cela ne tient qu'à venir demander pardon, si cela ne tient qu'à venir prendre des gardes de ne plus déstabiliser le Mali, si cela ne tient, pourquoi pas, à demander la libération de Chéri Balé, qui est une victime de la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Naturellement, pour moi, c'est de bon augure, c'est une belle carte qu'a joué le Mali, et le Mali fait bien de laisser la porte ouverte à tout dialogue. Et nous avons vu que le Mali vient de gagner son intégrité, sa souveraineté, son respect, et le Mali vient de ramener Ouattara à sa cuillère, à sa petite assiette et à sa petite table pour manger comme un bambin qui aujourd'hui n'a que de ce qui ne produit pas. Voilà un peu ce que tu as dit dessus. Alors oui, cette médiation actuelle, elle est venue à point nommé. Cette médiation actuelle aurait pu nous faire économiser du temps, mais malheureusement, Ouattara a voulu montrer les muscles comme il a fait avec les armes contre le président Laurent Gbagbo, comme il a fait avec les armes contre le peuple ivoirien, comme il le fait aujourd'hui dans sa dictature contre l'opposition ivoirienne. Mais il a rencontré des garçons, comme on le dit en français terre à terre, il a rencontré des soldats, des souverainistes, des patriotes africains qui sont restés déterminés, qui sont restés identiques à eux-mêmes, qui sont restés loyaux à leur peuple. Voilà un peu ce que je t'ai dit. Donc, ça servit à quoi de déposer ce programme à CEDEAO? Et est-ce que ce ultimatum-là tiendra avec ce que nous venons de voir? Voilà la question que je vous repose et que j'espère que nous allons débattre. Okossi, si vous gardez le micro, est-ce que finalement cette démarche du gouvernement de Côte d'Ivoire s'inscrit en faux avec celle de la CEDEAO, parce que le président Ouattara était également de cette réunion du côté du Nigeria? Ben, c'est ce que j'ai appelé une trahison quand je développais, parce que dans le communiqué de la CEDEAO, il est clairement marqué que le Mali libère ses soldats. Il est clairement marqué. Ils n'ont pas mentionné mercenaires. Ils ont fait passer le Mali pour le boulot. Ils ont fait passer le gouvernement de transition pour des preneurs d'otages. Alors donc, ils savaient que c'est Assimi Goïta et ses amis étaient des preneurs d'otages. Est-ce qu'ils ont réalisé maintenant que lorsqu'il y a une prise d'otages, on négocie? Assimi Goïta ne serait plus le bandit qu'ils ont montré à la face du monde. Vous voyez, même la délégation présente sur le sol malien, le fils de Alassane Ouattara, lui que les gens ont passé pour mon frère, qui est son fils en réalité, dit le président Assimi Goïta, mais hier il ne disait pas ça. Il disait la jeune, mais aujourd'hui, le langage a changé. Donc est-ce que ça, il y a un porte-à-faux avec ce qui s'est passé à la CEDEAO? Mais je pense que Ouattara vient de les trahir. Ouattara est un homme qui n'a pas de parents. Parce que quelle serait la logique que la CEDEAO, avec tous ses copains, dise que le Mali a jusqu'au 1er pour libérer ses soldats, et qu'ils n'attendent pas cette date fatidique-là, et que de là, la décision de la CEDEAO et cette date, ils courent comme des petits volants venir en catimini négocier. Donc oui, il y a une contradiction. Oui, il y a une trahison. Oui, il y a un mensonge quelque part. Soit Ouattara ruse avec le Mali par rapport à un plan B qui serait prévu à ses amis, soit Ouattara a compris qu'il ne peut plus faire confiance à ses amis. Donc, il y a une contradiction. Il y a
il y a vraiment des bazars et il y a, ce que je dis, une malice quelque part. Et s'il y a malhonnête quelque part, ça serait qu'à la fin de Ouattara, sinon on n'aurait pas eu besoin d'aller tirer le monde entier, aller à New York, aller à la CEDEAO, aller au Togo, passer partout, inviter le président du Nigeria pour mettre en place une force anti-poutre, une force anti-terroriste, et aujourd'hui revenir avec des civils pour venir négocier alors que c'était ça. Donc oui, pour répondre clairement à votre question, il y a un mensonge, il y a une contradiction, il y a une opposition à ce qui avait été fait à la CEDEAO et par rapport aux consignes qu'ils avaient donné. Merci. Alors, Issa Diarra, je vous donne la parole. Nous avons là finalement la preuve que le gouvernement du Mali n'est pas un gouvernement va-t-en-guerre, comme l'a laissé d'ailleurs présenter à un moment donné par la CEDEAO, par le Mali, par la Côte d'Ivoire, pardon, et tout à l'heure au Kossissi. Là, d'ailleurs, rappelé fort opportunément que ce n'est pas un gouvernement qui faisait des prises d'otages, vu que le dialogue de la Côte d'Ivoire s'est nettement amélioré sur la considération, on va dire, des terminologies qui étaient réservées tout d'abord aux autorités de votre pays, mais plus ou moins pour le cas de ces 46 mercenaires. Ok, merci. D'abord, je rassure mon frère et quand que le Mali ne peut pas être bombardé dans le cadre de cette affaire. C'est pas possible. Le volet militaire, nous l'avons écarté dès le début de cette histoire. Nous avons analysé cela, on a évalué même les capacités militaires de Ouattara qui en réalité son armée est désarmée. Donc cette option est à écarter totalement. Maintenant, moi ce qu'il faudrait voir dans cette histoire, il n'est pas dit forcément que cette médiation en cours va aboutir. Ça, c'est un point qu'il faut préciser. Vous vous souvenez, M. Fabrice Ndoum, au début de cette histoire, je vous avais dit ici, depuis même quand on avait dit la médiation togolaise, beaucoup avaient eu des inquiétudes. Je disais de se calmer, d'avoir confiance à ces colonels à la tête du Mali, qui sont très stratèges. Et 6 mois après, nous sommes toujours au point de départ. D'abord, moi, il n'est pas dit que cette médiation va aboutir à quelque chose. Parce que Ouattara, le connaissant un peu, on n'est jamais à l'abri d'un revirement. Lui, il est tout le temps comme ça. Il n'est pas cohérent, il n'est pas constant. Et quand un individu n'est pas constant, c'est difficile de parier sur quelque chose avec lui, sur le moyen terme. C'est pourquoi, d'ailleurs, ses opposants ont du mal souvent à les saisir, au niveau, en tout cas, de son pays. Ensuite, autre chose, moi, je pense que cette médiation, même si elle n'aboutit pas, elle a, en tout cas, elle a un avantage, c'est qu'elle vient enterrer complètement les initiatives de la CEDEAO. Ça, il faut retenir cela. C'est la question peut-être que vous avez posée à l'instant à Opti. En fait, cette médiation directe vient enterrer les ambitions de la CEDEAO dans cette question. Parce que la CEDEAO, c'était carrément aller dans quelque chose, un autre bras de fer avec le Mali. Maintenant, la Côte d'Ivoire vient de montrer à la CEDEAO que c'est une histoire bilatérale. Donc je ne vois plus aucune raison, la CEDEAO n'a plus aucune raison de se saisir du dossier proprement dit. En tout cas, la CEDEAO ne peut que dorénavant s'ajouter peut-être au Togo pour jouer un rôle de facilitateur. Autre chose qu'il faudrait retenir, vous savez, ce n'est pas officiellement, beaucoup ne le savent pas. Mais si nous analysons, si nous observons de très près, la CEDEAO est divisée sur cette question des 46 mercenaires. La CEDEAO est profondément divisée. Et quand nous parlons, nous avançons des preuves, les faits. La preuve la plus palpable, c'est l'incohérence, la contradiction entre la conférence de presse faite par le président de la commission de la CEDEAO qui disait qu'il y avait un ultimatum jusqu'au 1er janvier qui allait être lancé au Mali et qu'il tenait ça des chefs d'État. Mais le communiqué final, il n'a jamais été mentionné de cela. Ce qui veut dire que beaucoup des États, beaucoup de présidents ont refusé de se reconnaître dans un communiqué final qui va tout simplement accoucher d'un ultimatum. Donc il y a cette division, je pense, cette fragilité, cette division au niveau de la CEDEAO a sans doute fois poussé Alassane Ouattara à venir dans une discussion bilatérale. Si la CEDEAO était unie, avait fait bloc derrière Ouattara, je ne pense pas qu'on allait assister à cette question, en tout cas à cette discussion bilatérale. Autre chose, vous savez, le contenu du mémorandum, c'est là surtout que moi j'essaie de pousser la réflexion. Je pense peut-être qu'on pourra assister, s'il y a un accord, à une libération progressive de ces 46, c'est une possibilité. Les libérer par groupe, une façon de pousser Ouattara aussi à faire des choses.
parce que nous sommes à ce moment dans le cadre de, en tout cas, d'un accord entre deux États, et bien sûr, pendant longtemps, il y a une crise de confiance. Donc, ça peut être par groupe de 5 personnes ou par groupe de 6 personnes. En tout cas, le nombre sera à déterminer par deux vagues ou par trois vagues, et pour pousser Ouattara aussi, bien sûr, à mettre en œuvre, en tout cas, les accords, en tout cas, l'accord qui sera conclu. Autre chose, dans le mémorandum, c'est que moi, je vois venir, il ne faut pas exclure une rencontre directe entre le colonel Assimi Goïta et, bien sûr, M. Alassane Dramane Ouattara à la tête de l'État ivoirien aujourd'hui. Ça peut se faire sur un terrain neutre, c'est-à-dire à l'occasion d'un sommet de la CEDEAO ou à une occasion quelconque, ça peut se faire logiquement au niveau de Lomé ou au plus au niveau peut-être de Dakar. C'est une possibilité. Plusieurs hypothèses sont là, mais je pense qu'il doit y avoir une discussion, il doit y avoir quelque chose. Des choses vont se dire à huis clos. Je ne crois pas que tout sera écrit sur un papier ou que tout sera lu sur des médias. Non, je pense qu'il y aura quelque chose qui va se discuter à huis clos. D'ailleurs, la venue du ministre d'État de la Côte d'Ivoire en dit beaucoup. Autre chose, moi, je pense dorénavant, il y a une ligne directe pour le suivi, en tout cas, de ces débuts de discussion. Le Mali pourra obtenir en échange non seulement le rapatriement des assassins maliens ou des voleurs maliens qui se trouvent du côté de la Côte d'Ivoire ou qui sont à portée de main de Ouattara, notamment chez Bazoum, l'autre valet de la France. Donc, il pourra être inclus, en tout cas, dans les discussions. Tout comme ce qu'il faudra voir aussi, je pense, le Mali pourra aussi bénéficier d'une neutralité de Ouattara dans tout dossier international concernant le Mali. À chaque fois qu'il sera question du Mali, Ouattara doit carrément fermer. Maintenant, conséquence c'est quoi pour M. Ouattara? Est-ce que Macron sera content de cette attitude? Vu que Macron était déjà dans la dynamique de faire venir un certain M. Cham à la place, à lieu et place de M. Ouattara, puisque la France, le déploiement déjà des militaires français laisse présager qu'en réalité la France même veut faire un coup d'état à Ouattara pour faire venir un autre de ses hommes. Est-ce que la France va avoir cette opportunité ou est-ce que Ouattara doit ignorer tout simplement ses militaires et faire semblant de discuter, faire perdre du temps? C'est pourquoi je dis qu'il n'est pas dit que cette médiation sera une réussite. Ça peut être une stratégie de M. Alassane Ouattara pour donner des gages à l'armée ivoirienne, comme s'il était en train de vouloir discuter, en train de montrer sa bonne foi, mais en réalité, il est en train de perdre du temps, parce qu'est-ce qu'il a confiance à ces quelques militaires ivoiriens qui sont détenus du côté de Bamako, et longtemps ils ont fréquenté les militaires maliens, est-ce qu'il est pour leur retour? Tout ça reste à désigner. En tout cas, ce début de médiation ne veut pas dire qu'on va assister forcément à la libération de ces 46. Et si on va assister à la libération, c'est tout un processus, comme je viens de l'expliquer, et il pourra avoir tête à tête entre, bien sûr, les deux chefs d'État, tout comme il pourra, la Côte d'Ivoire risque de faire beaucoup de compromissions. Merci. Pas de compromis, mais de compromissions. Merci. Je reste avec vous, puisque vous avez, tout à l'heure, émis quelques inquiétudes sur la démarche qui est mise en place, et je vous cite là à propos, cette médiation pourrait ne pas aboutir. Là sont vos craintes, très cher Issa Diarra. Quels pourraient en être les blocus à ce processus qui est pourtant bien engagé? Quand on a eu d'ailleurs le retour de la délégation ivoirienne qui semblait plutôt rassurée, confiante de ce que la suite se fera sans dégâts, j'ai envie de le dire comme cela. Monsieur Fabrice Moum, quand vous mettez peut-être dans la peau du colonel Assimi Goïta, la délégation que vous recevez, c'est une délégation qui d'abord a voulu vous faire passer pour un menteur au niveau international. C'est une délégation qui a publié des communiqués pour montrer, pour essayer de falsifier les choses, qui a tout nié en bloc. Vous recevez une délégation en face de vous qui vous a soumis des ultimatums de 100 délais à plusieurs reprises. Vous recevez une délégation qui, en réalité, a voulu internationaliser un dossier qui est bilatéral. Et en faisant même parler le secrétaire général de l'ONU, vous recevez une délégation qui,
à pousser la CEDEAO à vous faire chanter, en tout cas votre peuple, d'une sanction. Quand vous le recevez, est-ce que vous devez les croire sur parole? Je dis non. Le blocus peut être au niveau des garanties. Ouattara, il est facile qu'il vous promette la lune. Mais est-ce qu'il peut vous aider à toucher la lune? Ça c'est l'inquiétude dans, et ce qui peut constituer un blocus majeur. C'est-à-dire, le Mali peut opter pour quoi? La libération progressive des otages. Est-ce que cela va arranger Ouattara? Parce que qui parle de libération progressive, ça veut dire quoi? Quand le Mali libère la première vague, M. Ouattara peut-être doit faire rapatrier deux ou trois, en tout cas, voleurs du Mali qui se cachent du côté d'Abidjan. Est-ce que Ouattara sera prêt à aller dans ce sens? Que dira la France? Parce que là, Ouattara doit encore négocier avec la France. Parce que le mémorandum avec le Mali, les points convenus avec le Mali doivent être approuvés ailleurs. Parce que ces hommes, Ouattara a reçu consigne de les héberger en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas facile, le Ouattara qui les a reçus en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il est un coopérant de la France, de la sous-région, qu'il a eu, en tout cas, le temps de les recevoir. C'est comme autrefois Blaise Compaoré recevait les gens, y compris les terroristes maliens. Donc quand vous êtes un point focal de la France-Afrique, bien sûr, vous êtes sujet, vous êtes tenu par certaines obligations. Maintenant, si les intérêts de la France doivent être inclus dans la transaction, c'est ce qu'il faut dire. Parce que nous voyons comme des Maliens, en tout cas qui fuient la justice malienne, qui ont détourné des médias ou qui sont poursuivis pour des cas d'assassinat, comme le cas de Karim Keïta et autres. Mais des telles personnes sont pour la France, sont ses intérêts. Contribuer pour la France sont des gens qui peuvent encore contribuer à déstabiliser le régime du Mali. Maintenant, en quoi Ouattara va les inclure dans une transaction juste pour faire libérer des mercenaires ivoiriens ou des mercenaires de la CEDEAO? Ça peut être un point de blocus majeur si le Mali opte pour, en tout cas, la libération progressive. Autre point de blocage qui peut s'avérer majeur, si quand le Mali va imposer peut-être de la Côte d'Ivoire une neutralité avérée, vérifiée, au risque de rendre public l'accord qui a été conclu. Si le Mali demande une telle garantie, est-ce que Ouattara peut s'y engager? Parce qu'en soi, quand il s'engage, c'est contre la volonté de la France. Sauf si la France, bien sûr, lui a donné quittance d'essayer d'approcher les autorités du Mali, essayer de voir dans quel cadre elle-même, elle pourra ne plus, en tout cas, avoir affaire à des invectives ou encore au mot dire des autorités du Mali, telles que la jeune française, ou encore traiter, en tout cas, cette jeune française des autorités obscures, au service de l'obscurantisme. Qu'est-ce que la France peut obtenir concrètement? Tout ça aussi, c'est à voir. Donc je pense que ce n'est pas Ouattara qui détient les clés, en tout cas, de la transaction. Une fois de plus, c'est le Mali, et bien sûr, de loin à distance, c'est la France. C'est une discussion indirecte qui vient de s'engager entre le Mali et la France en fonction de ses garanties mercenaires. Je vous remercie. Oko Sissi Baba Nicolo, c'est l'occasion plus que jamais donc pour la Côte d'Ivoire de saisir, on va dire finalement, cette main tendue du Mali pour essayer d'évacuer quand même un dossier qui commençait déjà à faire des gorges chaudes du côté de la Côte d'Ivoire, pardon, et qui était qui démontrait à suffire une espèce, en tout cas une diplomatie extérieure pas assez compétente. Est-ce que c'est l'occasion plus que jamais pour la Côte d'Ivoire de saisir finalement ce bras tendu du Mali pour essayer d'évacuer quand même un dossier aussi sensible comme celui-là? Alors, le Mali n'a pas donné d'ultimatum à la Côte d'Ivoire. Dire que c'est une occasion de saisir la main tendue. Le Mali, depuis le début, a été transparent. Le Mali a ouvert les bras à l'africanité, à la discussion de fer à fer, à la discussion dans la diplomatie, de vider le contentieux. Puisque quand Tenet Bilema Ouattara est arrivé, il a encore réitéré que c'était malentendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à aucun moment, ils ne veulent montrer qu'ils ont perdu. Ils ne veulent montrer qu'ils sont dans une position de faiblesse. Ils veulent, dans la honte, dans les mots de la diplomatie, montrer que non, il y a eu un malentendu, comme étant des supplices de pardon, comme étant des supplices de reconnaissance du tort fait au peuple malien. Vous voyez, la honte a plusieurs facettes. Il y a une honte
qu'on peut reconnaître de prime abord et reconnaître, s'excuser. Et il y a une honte qu'on porte sur soi pendant longtemps et qui en est plus. Et c'est cette honte-là qui fait qu'aujourd'hui, depuis le début, le Mali a ouvert les mains. C'est la Côte d'Ivoire qui refusait de s'agripper à cette main qui fait partie de seule bouée de sauvetage. Mais non, que du nenni, la Côte d'Ivoire a nié cela. La Côte d'Ivoire est allée chercher des partenaires invisibles, impuissants. La Côte d'Ivoire a voulu jouer sur ses armes que lui donnent l'OTAN et la France. Regardez aujourd'hui, comme le disait Issa Diawara. Mais est-ce que vous pensez que Ouattara peut prendre la décision unilatérale d'outrepasser ceux qui ont mis au pouvoir pour venir demander pardon? Non. Si Ouattara pose ce pas, effectivement, il a soit a priori reçu l'aval de ses mandats qui ont vu que tous les trous sont bouchés et que la CEDEAO ne peut plus tenir ce dossier. Parce que c'est vrai. Pourquoi est-ce que la CEDEAO va s'asseoir, décider de s'en prendre au Mali verbalement? Et puis, la date n'est pas encore arrivée. Et puis, Ouattara sort de son trou, il vient pour dire non, me voici. Il y a un problème. Est-ce qu'il y a un non-dit? S'il y a un non-dit, on peut subodorer pour dire que la CEDEAO a tenu le dos à Ouattara. S'il y a un non-dit, c'est que la France a vu que le Mali, qui s'est doté d'autres armes et même de drones de surveillance de son territoire, le Mali qui est resté à combattre le terrorisme, à vrai dire, le Mali qui a amplifié ses rapports avec ses partenaires, dont la Russie, le Mali qui est resté logique. Le Mali vient d'être le deuxième pays producteur du riz, ce qui est appréciable. Le Mali est aujourd'hui producteur de son propre or. Le Mali aujourd'hui, de façon internationale, a fait capter d'autres attentions dans l'international, dans la géopolitique. Donc quand la France voit tout ceci et que les États-Unis dans la géopolitique ne lâchent pas le Mali, parce que les États-Unis ont gardé leur rapport avec le Mali, les États-Unis continuent dans la diplomatie de conjuguer avec le Mali. Est-ce que la France est vue aujourd'hui en train de perdre totalement le Mali? Alors, est-ce qu'il ne faut pas essayer ce bruit de son état qui n'est pas encore cassé parce que le Mali a encore les bras ouverts et demander à Ouattara, écoute, nous allons jouer cette carte-là, rabaisse-toi, pour que nous puissions penser à placer, puisque le plan A n'a pas marché, le plan B n'a pas marché. Ce plan C-là, c'est d'aller faire du corps à corps. Et comme l'a si bien expliqué Issa Diawara, dans ce mémorandum, c'est des étapes. Ça sera des négociations. Quand on passe d'un preneur d'otage, d'un voyou, de la jeune à président, quand on essaie de snober un homme que l'État du Mali a donné sa légitimité, et qu'aujourd'hui, ce même monsieur qu'on a snobé, ce même régime qu'on ne respectait pas en sénateur, on vient avec une qualité de représentant, dont le fils de Ouattara, qui est aujourd'hui son homme à tout faire en Côte d'Ivoire, Fidel Sanasoro, qui est son très proche collaborateur et certaines personnes, vous comprenez tout de suite qu'il y a un hic. Quel est ce hic-là? La CEDEAO a tourné le dos à Ouattara? Est-ce que la CEDEAO ne veut plus aller dans l'embrouillon que l'a fait de Ouattara? Est-ce que les présidents africains commencent à murmurer contre Ouattara? Est-ce qu'aujourd'hui, la rencontre États-Unis-Afrique a joué? Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali est encore en train de progresser? Oui, le Mali est en train de progresser et le Mali n'a pas reculé de Yota. D'ailleurs, les chefs du Mali en affaires, en production de riz, sont aujourd'hui à applaudir. Donc du coup, est-ce que nous jouons Ouattara une carte où tout a échoué, mais pour dire que est-ce que la Côte d'Ivoire devrait saisir la main tendue du Mali? Je veux dire clairement que le Mali n'a jamais fermé les mains. Le Mali a toujours la porte ouverte parce que le Mali a compris que depuis longtemps, c'était le divisé pour mieux régner venant de l'Occident. Et bien, le Mali n'a pas voulu jouer le jeu du divisé pour mieux régner, de se faire des guéguerres avec son frère. Le Mali sait que derrière la Côte d'Ivoire se trouve une force noire. En bas de ce iceberg se trouve l'OTAN, la France. Et bien, naturellement, il faut casser cet iceberg-là. C'est-à-dire, dire à Ouattara, écoute, viens qu'on parle de façon bilatérale. On va vider le contentieux, puisque vous dites que c'est un malentendu. Et puis, nous allons voir ce qui va venir. Mais malheureusement pour Ouattara, il a compté sur ses mandats qui lui ont donné la force, qui lui ont donné la gabarit. Aujourd'hui, on voit une armée française qui arrive avec un navire de guerre sur le territoire ivoirien qui disparaît. On voit un mouvement au bord des Français, des frontières maliennes,
ivoirien, on voit des ultimatums à l'international alors que doit être tout fait. Donc, en gros, pour moi, ce n'est pas la main tendue du Mali, parce que le Mali n'a pas donné d'ultimatum, le Mali n'a pas fermé la porte. C'est la Côte d'Ivoire qui avait voulu donner au Mali son injonction qui n'a pas marché. Donc, j'espère pour la Côte d'Ivoire ce qu'on peut dire. On espère simplement que Ouattara, qui est un fin menteur, un fiefé mythomane, va comprendre que ce peuple qu'il a croisé là n'est pas l'opposition de la Côte d'Ivoire qui se désiste, se dit et se dédie. Ce peuple qu'il a croisé n'est pas la Côte d'Ivoire qu'il a pu abrigader parce qu'il a des armes, il a des encagoulés, il a des microbes, il a des yambros, il a la police municipale, il a l'armée française. Ce peuple qu'il a croisé n'est pas un peuple qui peut se faire marcher dessus parce qu'ils sont cupides, parce qu'ils aiment l'argent, parce qu'ils nous sont le débat. Il a croisé un peuple qui est fièrement arrêté avec son peuple, un peuple des dirigeants qui savent où ils vont, un peuple qui s'est apprêté armement, militairement, socialement, politiquement et diplomatiquement. Donc pour moi, ce ne sera pas dire que est-ce que la Côte d'Ivoire doit accepter cette main tendue. Je veux dire que le Mali n'a pas donné d'ultimatum. Le Mali n'a jamais fermé la porte. C'est plutôt la Côte d'Ivoire qui voulait jouer avec le Mali. Malheureusement, il s'est cassé la gueule. Et nous voyons un ancien Damar Ouattara revenir à la case de départ, peut-être avec l'injonction de la France, qui a tout perdu au Mali. Et le Mali continue de progresser, progresser et progresser. Voilà un peu, pour ma part, dire que la Côte d'Ivoire devrait saisir cette opportunité. Ce serait biaiser un peu le discours parce que le Mali n'a pas pris de position de guerre, le Mali n'est pas un bataguerre, le Mali a juste planté des mercenaires envoyés par Ouattara pour libérer. C'est tout. Je reste avec vous, Okoussi Baba Nicolo, parce que ce dossier aurait pu avoir une issue purement et simplement juridique et que personne n'aurait crié au scandale. Quand je parle de main tendue, c'est que en fait, le Mali se dit être d'accord d'engager une véritable médiation. Sauf que le contenu en soi pourrait désormais poser problème si jamais les intérêts des uns et des autres ne sont pas garantis. Et d'ailleurs, Général Issa Diarra l'a si bien fait remarquer tout à l'heure. On sait très bien que le gouvernement du Mali a également de la part des autorités de la Côte d'Ivoire demandé à ce qu'un certain nombre de délinquants politiques et financiers soient rapatriés dans le pays en contrepartie. Je crois que c'était les préalables, en tout cas, d'une véritable médiation. Si jamais le gouvernement de la Côte d'Ivoire ne prend pas en considération les revendications du Mali dans ce mémorandum, il va sans dire que eh bien, cette médiation ne pourrait pas aboutir. Et donc, c'est l'occasion pour moi de vous relancer davantage sur cette question. Si jamais ce qui paraît, passez-moi davantage le mot, comme étant une main tendue d'apaisement de la part du Mali n'est pas saisi par la Côte d'Ivoire, il est clair que l'on retombera finalement dans le chaos, j'ai envie de le dire comme cela. Ah oui, vu sur cet angle-là, je pense que je vais répondre par l'affirmatif. Effectivement. Mmh. Effectivement, si aujourd'hui cette négociation que vous appelez main tendue, parce que c'est le Mali qui a position de force aujourd'hui, tout à fait, n'est pas saisi par le Mali. Quelle sera la suite? Naturellement, ce n'était pas vraiment une demande communiquée officiellement du Mali de récupérer ses kidams à l'intérieur de la Côte d'Ivoire par Ouattara. C'était un clin d'œil naturel que le président Sami Goïta a fait à l'état du Mali et de la Côte d'Ivoire, vu que des médiateurs venaient ça et là, sans tenir compte de la situation de bandits qui sont sur le territoire ivoirien. Voilà, c'est dans ce cadre-là, et même dans un communiqué, les Maliens l'ont dit, que le président Sami Goïta n'a pas mis ça en noir sur blanc comme étant un critère pour libérer des mercenaires. C'était un clin d'œil qu'il a fait à ceux qui le visitaient, les médiateurs, donc Goudreau, Jonathan et autres, pour leur dire, mais écoutez, vous me donnez des injonctions, vous me dites libérer, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais avant qu'on y arrive à là, mais rappelez-vous aussi que moi aussi, j'ai quelques clients contre eux. Tout j'ai aussi des besoins. Ouattara se retrouve avec des gens qui veulent me déstabiliser. Ouattara se retrouve avec des gens qui disent qu'ils sont présents sur le territoire. Ouattara se retrouve avec des gens avec qui il a communiqué, qui, ma foi, nous insultent. Mais passons aussi à moi. Il faut pas que ce soit de façon unilatérale. Il faut que ce soit réciproque et consensuel. Donc, c'était un clin d'œil. Donc, dans ce mémorandum, effectivement, il serait très, très important que le Mali pose des gages d'assurance de sa sécurité. Est-ce que la Côte d'Ivoire s'engage, comme l'avait déjà dit au Togo, à ne plus faire partie du jeu de la France? Parce que la cible, c'est la France. Est-ce que la Côte d'Ivoire s'engage à ramener pour la sécurité territoriale du Mali ceux qui veulent déstabiliser le Mali, parce que c'est des gens qui veulent déstabiliser le Mali et qui résident en Côte d'Ivoire et au Niger? Est-ce que la Côte d'Ivoire s'engage
à poursuivre les rapports Côte d'Ivoire-Mali, comme avant, avec la sécurité des ressortissants en Côte d'Ivoire, parce que la sécurité des ressortissants maliens a été mise à mort à un moment donné. Vous vous rappelez le cas de Chérif Balé. C'est parce que les militants du RDR, proche au Ouattara, avaient commencé à s'en prendre au peuple malien, sur des vidéos, sur des plateaux de lait, les cyberactivistes. C'est parce qu'ils avaient commencé à empêcher les artistes maliens de prester. Ils avaient commencé à s'en prendre au convoi de commerçants maliens. Que Chérif Balé, pour amortir cela, était pêché au Mali. Mais là, si vous connaissez, c'est parce qu'elle allait au Mali qu'on l'a arrêté. Ils l'ont planté comme étant une personne qui s'associerait à une puissance pour descendre la Côte d'Ivoire parce qu'elle allait au Mali. Donc aujourd'hui, ce mémorandum-là fait partie de beaucoup de choses que le Mali va présenter. Si la Côte d'Ivoire, maintenant revenant à la main tendue, est intelligente, et la Côte d'Ivoire, voilà, réalité du terrain, vu le comportement bicéphaliste de la CDAO, vu aujourd'hui la mésentente depuis la réunion USA-Afrique, vu qu'aujourd'hui tous les pays ont compris, parce que les soldats dont on parle, les mercenaires, ne sont pas tous ivoiriens, ça on le sait. C'est des mercenaires qui sont venus à mettre pour ramasser ça et là. Ces mercenaires appartiennent à des propriétaires de certains pays. Et ces gens sont venus encore au Mali, ils ont vu la réalité. Si tout cela a été naturellement, qui est-ce que la Côte d'Ivoire récupère? La Côte d'Ivoire récupère ses soldats et les autres soldats qui ne sont pas ivoiriens. Est-ce qu'on va les mettre à la Côte d'Ivoire? Voilà autant de choses qui vont porter sur le cahier. Donc, naturellement, je vous rejoins effectivement. Si la Côte d'Ivoire veut saisir cette main tendue, eh bien, il faut qu'elle accepte qu'elle a échoué. Elle demande pardon. Et puis, qu'elle acquiesce à ce que propose le Mali. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est en position de force sur tous les plans. Général Issa Diawara, alors qu'est-ce qui pourrait, à votre niveau et à votre connaissance, rentrer finalement dans ce mémorandum qui devra en principe départager, je dirais pas départager, mais permettre un retour finalement à la normale entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Est-ce que le cas par exemple de Madame Pulchéri Balé devrait, dans le contexte actuel, lui aussi figurer dans le cadre de ces négociations là ou non, pour des raisons humanitaires comme ça a été le cas précédemment du côté malien? Votre micro, général. Merci. Le mémorandum, pour le moment, c'est le suspense. C'est le suspense. On peut émettre que des hypothèses. Et je rappelle que c'est un dossier qui est judiciaire. Un dossier qui est bien qu'il soit bilatéral. Il ne faut jamais oublier la nature du dossier. Un dossier bilatéral et judiciaire, bien sûr, entre le Mali et le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Un dossier porté au niveau du Mali par les autorités en charge du dossier. Et du côté de la simple preuve, vous voyez le ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui parle de ce dossier. Du côté de la Côte d'Ivoire, vous avez le ministre de la Défense, un proche du président, son jeune frère direct, sa photocopie, comme ils aiment l'appeler, c'est lui qui porte les dossiers. Ça montre tout simplement que du côté de la Côte d'Ivoire, bien sûr, ce n'est pas un dossier, en tout cas, porté de façon, comment on va dire, conformément au texte de la Côte d'Ivoire, mais c'est plutôt, nous avons une gestion un peu familiale aussi du dossier. Le jeune frère du président étant l'homme à tout faire du côté de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faudrait voir, nous avons parlé de plusieurs scénarios de leur libération par vague et autres, tout comme puisque c'est un dossier judiciaire. Il pourra être question aussi, au lieu de les libérer par vague, si on veut les libérer tout d'un coup, il sera question à ce moment pour le Mali de fixer la date de leur procès, les juger et bien sûr après que le président de la transition puisse les gracier. Donc les juger déjà sera un pas en avant. Donc ça sera un premier pas. Donc leur jugement, ça sera peut-être en contrepartie de ce que le Mali aussi est en train de demander. Et maintenant, si la Côte d'Ivoire fait cela, maintenant, deuxième étape, ça serait sans doute que le président de la transition essaye de les gracier. Mais une fois de plus, moi, je reste sur mes réserves. Et quand il s'agit de M. Ouattara, je suis toujours très prudent parce que c'est un monsieur qui, en réalité, ne contrôle pas les dossiers. De loin, vous avez l'impression que c'est Ouattara qui décide. Mais en fait, ce sont les services secrets français qui gèrent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce n'est pas M. Ouattara qui gère. M. Ouattara gère certains pans du quotidien ivoirien. Notamment quoi?
être en mesure d'engager des dossiers de prêt, être en mesure peut-être de mater toute contestation à l'intérieur. Mais tout ce qui concerne de certains dossiers qui peuvent porter préjudice à l'influence française, c'est des dossiers qui sont directement gérés, pas par le Quai d'Orsay, mais par ce qu'on appelle DGSC, c'est-à-dire les services secrets français. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un pays géré par des services secrets. Ouattara est là, et il fait lieu de figurant, et son jeune frère aussi profite de l'argent du pouvoir. C'est pourquoi je dis que pour moi, je pense une fois de plus que nous sommes au début des discussions et que le Mali ne va pas enterrer le volet judiciaire du dossier, que le Mali va garder encore ce volet. Pour le moment, on est en train de parler, les discussions sont à leur début. Maintenant, il faudrait voir les jours ou les semaines à venir. C'est un peu très décisif. Général Sadiara, mais des victimes collatérales, entre guillemets, de cette affaire. Donc, Mme Plucherie-Bali, en principe, devrait rentrer dans ce process de négociation. Pas seulement Plucherie-Bali. Tous ceux qui sont harcelés du côté de la Côte d'Ivoire à cause de ces dossiers doivent en réalité faire partie de la transaction. D'ailleurs, c'est un point que j'avais d'ailleurs en tête, mais peut-être que j'ai oublié de revenir là-dessus. Pas seulement pour Chéri Ballet, il y a beaucoup de citoyens ivoiriens aujourd'hui sont menacés, en tout cas, de venir au Mali librement et de retourner en Côte d'Ivoire. Donc, il y a cette peur. Donc, les gens ont peur de venir pour ne pas se faire arrêter. N'oubliez pas notre maman, la célèbre chanteuse, l'internationale, la plus brillante des artistes ivoiriens sans doute, celle qui a beaucoup plus de trophées, celle qui a été plusieurs fois récompensée dans sa longue carrière d'artiste, il s'agit d'Aïcha Koné qui a chanté les louanges du colonel Assimi Goïta, se trouve aujourd'hui très menacée. Bien qu'il y ait des Maliens ici qui ont proposé à cette célèbre artiste et des parcelles qui lui ont proposé beaucoup, en tout cas, d'accompagnement, mais je pense qu'elle ne peut même pas se rendre aujourd'hui au Mali. Tant bien qu'elle a des racines, bien sûr, et des racines qui sont maliennes, comme la plupart d'ailleurs, 90% des soutiens, 80-90% des soutiens de Ouattara ont des racines maliennes. Ce sont sans doute des Koné comme l'artiste là, qui sont d'origine de Ségou et de Sikasso au Mali, soit ce sont des Sanogo, donc des Senoufo du Mali établis là-bas, ou encore c'est des Bagayogo, c'est des Sissé, des Diaby, Sissé qui peuvent être des Soniké ou des Soleil, ça dépend de l'ethnie, ou encore c'est des Diawara comme moi, donc ça veut dire des Soniqués, ou encore vous avez certains Koulibaly, des Traoré, qui peuvent être par endroit au Mali, des Malinqués, tout comme des Bambara. Donc en grande partie, les soutiens de Ouattara, et d'ailleurs, nous avons eu à faire une analyse qui fait que Ouattara n'a pas intérêt à trop tirer, en tout cas sur cette histoire. Et à l'époque, j'avais réussi à peut-être à vous sortir un proverbe malien qui disait que dans ce dossier, le Mali est comme ce qu'on appelle en Bambara, c'est-à-dire tout simplement le moustique qui se pose sur une partie en tout cas de l'homme. Donc là-bas, vous ne pouvez pas taper ce moustique, vous pouvez juste le caresser et vous pouvez juste ménager en tout cas ce moustique. Mais Ouattara n'avait pas compris, il a voulu internationaliser les dossiers, c'est là son malheur. Donc il n'y a pas que Plucherie Ballet, il y a bien sûr d'autres personnalités ivoiriennes qui pourront aussi être inclus dans la transaction. Ça ne veut pas me dire que ces personnalités vont rejoindre le Mali, mais en échange, ces personnalités ne seront plus harcelées, bien sûr, par les milices de Ouattara qu'on fait appeler, bien sûr, les microbes. Merci. Beaucoup de soucis. Nous vous écoutons également autour de ce fait. Et Issa, lui encore, nous a permis, en tout cas, de voir sous un large prisme, un large spectre. Il faudrait, au-delà de Plucherie, véritablement regarder ceux qui, de près ou de loin, ont subi, on va le dire, plus ou moins des menaces et autres au sujet de ce dossier. Alors, sur ce dossier, effectivement, nous comptons sur la société civile, dont Issa Diawara fait partie, et les autres, Yerewaro sous les remparts, autres, parce que lorsqu'elle est arrivée au Mali, elle a eu à travailler avec eux. Effectivement, ce que dit Issa Diawara est pertinent, parce que de facto, le rideau qu'on voit, c'est celle qui a été attrapée au vu aussi du monde entier et accusée d'avoir accointance avec des puissances étrangères. C'est
signé sur des six en Côte d'Ivoire. Mmh. Ce qui est de Aïcha Kone, effectivement, qui aujourd'hui est pris à mal par les adeptes RBL et les picuriens de Gamma Ouattara, c'est un fait. Il n'y a pas aussi, comme je dis, qu'Aïcha Kone, il y avait même une dame, comment elle s'appelle bon, j'ai oublié son nom, qui elle aussi avait pris faire cause pour l'artiste qui devait presser en Côte d'Ivoire. Et que le FDR, une fois de plus, a fait opposition. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens comme ça en Côte d'Ivoire qui, pour le cas Mali, sont exposés. Mais celle qui est aujourd'hui clairement notifiée, noir sur blanc, c'est Pichéri Balé. Mais ça, même si le président Assimi Goïta n'y a pas pensé, mais nous comptons sur la société civile malienne, dont Issa Diawara fait partie, pour essayer, comme c'est de bouche à oreille, essayer d'introduire ce dossier si jamais ce memorandum là parle de libération. Mais naturellement, il faut dire que ce dossier, il est judiciaire. Et son excellence Abdoulaye, l'ambassadeur l'a signifié quand il disait, lorsqu'ils ont reçu Tenem Nan Ouattara, que c'est un problème judiciaire, c'est vrai. Mais écoute, c'est du Mali qu'il s'agit. Il ne faut pas détruire les rapports entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Au moment opportun, ils vont prendre les décisions qu'il faut, mais ils vont prendre les décisions dans le respect du peuple malien, dans le respect des tests du Mali, dans le respect de la constitution malienne. Ils ne vont pas faire de l'extra-judiciaire, judiciariste, ils ne vont pas faire ceux qui sont au-delà de la loi. Même si une décision doit être prise, ça sera une décision bien gagnant-gagnant, une décision 50-50 qui ne casse pas le bras à l'État malien et à son peuple naturellement. Mais effectivement, ce problème de Pichéri Balé, nous comptons plus sur le directeur Ouattara, Amina Fofana et tous les autres, Kunta et tous les autres frères du Mali, naturellement, qui l'ont reçu quand elle était là-bas. Et je tiens à leur dire merci pour la réception, bien avant qu'elle soit arrêtée. Et d'ailleurs, quand elle était arrêtée, ils ont porté de la voix pour décrier cette arrestation et demander à la libération des trois soldats mercenaires d'être naturellement, graciés. Et d'ailleurs, c'est dans ce pas-là que le Mali a posé ce pas, naturellement, Gamma Ouattara, qui est un malheur pour la Côte d'Ivoire, Gamma Ouattara qui est une malédiction pour la sous-région, Gamma Ouattara qui est un terroriste à la solde du colon, n'a pas voulu attendre oreille et aujourd'hui continue de jouer les dictateurs sur le territoire ivoirien. Malheureusement, les Ivoiriens ne font pas front comme l'a fait le Mali. Les Ivoiriens ne sont pas déterminés comme a déterminé le Mali. Les Ivoiriens ne sont pas stoïques et opiniâtres pour que, enfin, Ouattara comprenne que le pouvoir appartient au peuple et que le peuple peut décider. Donc, nous comptons sur les frères du Mali, et vraiment c'est une doléance que je fais, pour qu'à travers eux, dès l'instant où les politiques et la société civile n'arrivent pas à manifester, parce que sous embargo, ils puissent nous aider de là-bas, sortir cette dame qui ne rêve que rejoindre ses enfants, qui aujourd'hui vont fêter la fête de Noël sans eux. Mais nous espérons que quand même, ces mercenaires vont passer la nouvelle au Mali, pour qu'ils comprennent que le Mali est un peuple debout. Voilà ce que je tiens à dire. Nicolo. Alors, Issa Diawara, pour les autorités de votre pays, il est plus qu'important d'aller véritablement à un arrangement pur et simple entre le voisin ivoirien. D'ailleurs, les autorités du Mali pensent que ce mémorandum permettra à terme de pouvoir promouvoir la paix entre les deux pays en vue de surmonter cet événement. Alors, qui a plus intérêt finalement entre le Mali et la Côte d'Ivoire, général Issa Diawara, à ce que, eh bien, l'on puisse fumer rapidement le calumet de la paix? Est-ce que la sécurité du Mali n'est pas elle aussi engagée? Quand on sait quand même que plus quelquefois il y a eu quelques bruits de bottes, notamment je crois bien au nord du Mali, où on avait l'impression qu'un contingent militaire ivoirien non identifié y sillonnait, et finalement un climat de méfiance s'est plus ou moins créé depuis un certain moment, qui a plus intérêt à ce que finalement la calmie revienne dans ce dossier assez sensible, général Issa Diawara? Vous savez, les deux pays, quand il est question de paix, les deux pays ont intérêt à la paix. Ça, c'est très clair. La paix ne profite pas que d'un côté. Maintenant, vous savez, les autorités du Mali ont des données que nous autres, nous n'avons pas. Tout comme Alassane Ouattara à son niveau. Les 46 mercenaires, pour moi, je reste cohérent avec mes propos du débit, vont apporter des gains considérables au Mali. Ça, c'est la moisson doit être très bonne. Et c'est pourquoi, déjà 6 mois, d'abord je pense, les détiens 6 ans après, qu'est-ce que cela apporte concrètement au Mali?
je ne passe pas grand-chose, sauf si on n'a pas quelque chose en échange. Maintenant, entre les États, il n'y a qu'une question d'intérêt. Le Mali, en fait, le Mali ne se voit pas en guerre contre Ouattara. Non. Pour le Mali est en guerre contre la France. Ça, c'est vraiment, je veux que c'est là que nous intégrons ça bien. Pour le Mali, nous sommes en guerre contre la France. Donc Ouattara est l'un des fronts, est l'une des batailles. Si nous sommes en guerre contre la France, Ouattara est juste l'une des batailles. Et gagner sur ces fronts du côté de la Côte d'Ivoire, c'est gagner une bataille dans notre longue guerre contre la France. Par cette guerre, nous ne sommes qu'à nos débuts. Il y a le côté de Bazoum, il y a le côté Macky Sall, il y a le côté des ONG, il y a cette histoire de droits de l'homme, il y a cette histoire des médias intox, il y a cette histoire des terroristes. Nous sommes en guerre sur la France sur beaucoup de volets. Ouattara n'est qu'un seul volet parmi tant de volets. Maintenant, s'ils arrivent à éteindre le front de Ouattara, éteindre M. Ouattara, c'est une défaite de plus pour la France. C'est pourquoi je dis, est-ce que la France peut s'engager au risque de compromettre les intérêts de la France? Est-ce que la Ouattara peut s'engager à ce point? C'est là que moi j'ai des inquiétudes. J'ai des doutes plutôt. Et autre chose, beaucoup voient peut-être les Maliens réfugiés du côté de la Côte d'Ivoire. Ils sont deux, trois. Et ceux qui ont des inquiétudes que Ouattara peut les faire fuir le Mali, c'est-à-dire qu'ils peuvent se quitter le Mali. Non, ça n'engage que Ouattara. Il pourrait aller les chercher en Australie. Quand vous signez un accord, ça vous engage à ce moment. Soit il le fait, soit les mercenaires la resteront détenus, ça c'est très clair. Et je ne pense pas que les Goïta soient à mesure de tomber dans le piège de Ouattara. Si c'était le cas, cela aurait déjà été fait. N'oubliez pas que l'armée française allait faire même des exercices militaires ou l'armée ivoirienne jusqu'à la frontière avec le Mali et que personne n'a bougé, on ne tombe pas dans de tels pièges. Donc je pense logiquement que Ouattara n'est qu'un front. Il est très minable devant dans la guerre que le Mali est en train de livrer face à la France. Donc face même à l'Occident, si on peut le dire ainsi. Donc c'est une guerre. Ouattara, c'est juste un point qu'il faut éteindre, un foyer de tension. Il faut éteindre et ça va nous rester Bazoum qui sera beaucoup plus à découvert. Et même là-bas, Bazoum est fragilisé. Parce que n'oubliez pas qu'hier, Mali a présenté un échantillon des drones turcs qu'il vient de laisser voir. Des drones de dernière génération, des drones TBD, Baykata. Donc aujourd'hui, des drones qui ont une autonomie de vol. 27 heures du temps, des drones qui peuvent être restés, en tout cas peuvent être suspendus. Donc aujourd'hui, en termes de matériel, le Mali se prépare. Ces drones-là, on ne les prend pas comme des petits terroristes-là. C'est carrément contre les bases militaires françaises dans la sous-région. Je pense que le Mali est en train de préparer quelque chose de grave. C'est pourquoi Ouattara doit batailler fort avant de convaincre bien sûr la France pour obtenir l'obtention, la libération de ses 46 mercenaires. Vous avez le Mali, une fois de plus, le Mali est dans la dynamique de casser totalement, en tout cas l'hégémonie française au niveau même de l'Afrique. Si c'est le Mali, c'est déjà fini presque. Il reste peut-être quelques points. Mais on ne va pas se limiter. La bataille va sans doute se transporter, se transposer sur d'autres terrains, sur d'autres théâtres d'opération. Je pense que le Mali et la France, nous ne sommes qu'à nos débuts. Et je suis convaincu que ces jeunes-là ne vont jamais s'arrêter au Mali simplement. Parce que la France, tant qu'elle est en Afrique, elle est un danger pour tout le monde, y compris pour ceux qui se voient aujourd'hui et les collabos de la France. Donc, du côté de la Côte d'Ivoire, je disais même, si nous le prolongeons la détention des mercenaires 6 mois et 6 ans davantage, je ne sais pas, parce qu'il faut qu'il y ait un suivi de lien. Est-ce que l'opposition ivoirienne, la détention de ces mercenaires, a permis de fédérer l'opposition ivoirienne? Je pensais que c'était l'un des objectifs du Mali. Et est-ce que l'opposition ivoirienne a réussi à se fédérer? Je pense que non. Je pense que l'opposition ivoirienne est tout encore divisée sur la question. Maintenant, concrètement, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Koul Chérif Balé a été arrêté à cause de cette question. Est-ce qu'il y a eu une seule manifestation à Trafalgar? Je pense que non. Concrètement, au niveau de la Côte d'Ivoire, les lignes ne bougent pas. 6 mois, oui, entre les États, il y a question d'intérêt. Si le Mali a la chance, beaucoup diront pour terminer, mais comment le Mali veut échanger peut-être 46 personnes contre 3 personnes? Les 3 personnes que le Mali réclame ou 4 personnes, du côté de la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas que ce sont des milliardaires, des gens qui ont suffisamment volé, des gens qui ont les moyens de financer la déstabilisation d'un pays, des gens qui ont certaines capacités de nuisance. Donc les obtenir, même si c'était 60 mercenaires ivoiriens, pour moi oui, si nous obtenons ces 3 hommes-là, dites-vous, la France peut dire totalement au revoir à toute vérité de vouloir déstabiliser le Mali.
Donc les Mali en insistant sur ces vauriens maliens qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, nous savons concrètement ce que nous voulons. Merci. Ceci, Baba Nicolo, je lis certaines réactions des internautes qui pensent quand même que libérer ces hommes assez dangereux pourrait être préjudiciable à sous-région à l'avenir, parce qu'on ne sait plus à quelle mission ils seront désormais alloués pour une quelconque déstabilisation au cœur du Sahel. Alors, vous voyez, tout récemment, les États-Unis ont échangé avec la Russie un grand trafiquant d'armes. Contre qui? Une joueuse de basket. Sur la balance, est-ce que c'est équitable? Non. Le trafiquant d'armes est plus dangereux que la joueuse de basket. Mais dans la diplomatie, dans la politique, c'est un grand pas de rassurer l'indépendance de ces peuples, de rassurer que l'État peut être à côté de son peuple. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'inquiétude des Maliens, est-ce que c'est ceux qui sont venus déstabiliser le Mali qui pourraient être un danger pour la sous-région, ou les Maliens, comme l'a dit Diawara, milliardaires qui peuvent déstabiliser le Mali à l'extérieur? C'est là qu'il faut poser le problème. Est-ce que le nombre de soldats, de mercenaires au Mali est plus important dans leur dangerosité que le nombre de Maliens qui peut apporter à tête à la sécurité de l'État? Aujourd'hui, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, chaque pays lutte d'abord pour sa survie. Chaque pays lutte d'abord pour ses intérêts. Quand bien même le Mali souhaiterait ou voudrait arranger la sous-région, le Mali doit penser à lui-même d'abord. Et lui-même, c'est d'abord sa sécurité, c'est la volonté de son peuple, c'est les attentes de son peuple. Qu'attend le peuple malien? C'est sa libération totale, son intégrité, c'est sa sécurité. Or, sa sécurité passe nécessairement par la récupération de ces dangereux fuyards Kidam qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, le nombre n'est pas important. Pour moi, si les États-Unis peuvent changer un trafiquant d'armes qui est deux fois plus dangereux, cinq fois même plus dangereux qu'une simple joueuse de basket, à moins qu'elle ne soit un espion des États-Unis à Russie, on ne sait jamais, parce qu'ils ont des agents doux, il faut comprendre que, quel que le Mali, sa sécurité, sa souveraineté, c'est de vivre d'un pays libre et décider de soi-même. Et si, hors du Mali, il y a des Maliens qui peuvent porter atteinte à la sécurité de l'État, naturellement, ils sont dans la balance plus importante que le nombre de mercenaires sur le territoire malien. Maintenant, quitte à eux de sortir d'aller descendre de notre pays, ça s'engage que, même pour le moment, le Mali a d'abord assuré sa souveraineté. D'ailleurs, le Mali s'est doté d'armes, de drones de dernière génération. Ce n'est pas pour faire plaisir à sous le genre. C'est d'abord pour le Mali. C'est d'abord pour la quiétude du Mali. Donc, pour ma part, le Mali lutte d'abord pour ses propres intérêts. Et pour ses propres intérêts, c'est ceux qui peuvent déstabiliser le pays qu'il faut, sur lequel il faut se pencher. Et pour moi, tout ce que le Mali peut mettre en extrait pour les récupérer, c'est ce qui est priorité. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, rappelez-vous, Dramane Ouattara, lorsqu'ils ont bombardé le président Laurent Gbagbo et qu'ils l'ont installé par les armes sur le sang des Ivoiriens, il a fait la chasse à tous ceux qui étaient en exil. Au Togo, ils ont rapatrié M. Lida Kwasi, que lui trouvait dangereux. Au Ghana, ils ont arrêté Charles Goubé, ils ont arrêté Jean-Noël Apéi. En Côte d'Ivoire, ils ont arrêté des dignitaires du président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient sécuriser son pays. Donc pour moi, le nombre des mercenaires au Mali n'est pas ce qu'il faut mettre sur la balance, mais plutôt la qualité de nuisance de ceux qui sont en résidence en Côte d'Ivoire, qui est important pour le Mali. Et le Mali doit tout faire pour les récupérer. Sur cette balance-là, je pense qu'il faut plus pencher pour ces bandits-là, ces terroristes maliens qui sont sur le sol ivoirien, qui peuvent à tout moment mettre la quiétude du Mali et des Maliens en danger, que des mercenaires qui, parfois, on a déjà attrapé. Vous voyez, chez nous, on dit à la sorcellerie, une fois qu'on t'a hué, tu es déjà défait. On les a attrapés, ils ont tiré les leçons de ce que ceux qui les ont envoyés sont minables, sont nuls, de ce que ceux qui les ont envoyés. Les ont envoyés dans une mission de suicide, de ce que ceux qui les ont envoyés. Vous voyez, même les trois femmes qui sont libérées, est-ce que depuis vous les entendez parler? Non. Les trois femmes, est-ce que vous avez parlé de non? Et en plus, ces mercenaires au Mali ne sont pas tous des Ivoiriens. Donc, ma foi, c'est intelligent, c'est plus judiciable, c'est primordial et c'est pour la souveraineté du Mali que le Mali pense plus à récupérer, quel que soit le nombre, ces dangereux bandits qui sont à la sorte de Ouattara, que ceux qu'ils ont déjà pris, ils ont déjà déstabilisé, ils ont déjà montré la face du monde. Et le Mali a bien fait
Je n'ai pas mettre les identités dehors parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette négociation qui se passe aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire est trempée jusqu'au cou dans une déstabilisation réelle du Mali et de la sous-région. Mais néanmoins, chaque pays lutte pour ses propres intérêts et le Mali a intérêt à lutter pour son intérêt, c'est-à-dire récupérer ce qui peut la déstabiliser. Merci Baba Nicolo pour ses contributions combien importantes autour de ce fait d'actualité. On vous retrouvera certainement très bientôt pour la suite de ce dossier assez important pour le Mali ainsi que votre pays, la Côte d'Ivoire. Merci, merci. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Et je tiens à dire au peuple malien de garder encore un peu ses mercenaires là-bas, qui fait avec eux. Et chaque Yawara va aller les autorités. Et puis au président Assimi Goïta de passer un peu à Pichelik Mali et tous les autres. Vraiment merci à Afrique Média, merci aux Panafricains et à Sandra Ouattara. Comme je l'ai dit toujours, ne pas présent de Côte d'Ivoire. Il a seulement les armes. Il nous a pris en otage. Mais Inch'Allah, nous allons y arriver. Aye. Et sinon, on se recontacte plus, recevez mes souhaits en tout cas de bonnes fêtes, de Noël à vous, Kossissi, Baba Nicolo. Général Issa Diarra, merci infiniment à vous pour vos contributions aussi, toujours bien pointues dans le cadre de nos différents programmes, de nos différents programmes sur Afrique Média Télévision. Oui, merci beaucoup. Juste dire, effectivement, aujourd'hui, j'étais surtout dans la peau d'un analyste. Et il fallait peut-être analyser les différents points, et pas surtout de la peau de l'activiste pour galvaniser les trucs. Maintenant, il y a une information de taille que j'ai oublié de vous communiquer, c'est qu'en réalité, le petit frère du président Alassane Ouattara a bel et bien présenté les excuses au nom de son aîné pour ce qui s'est présenté au président Goïta. Sinon, le président Goïta ne gère pas ses dossiers au Mali. Il s'est rendu à Koulouba, oui, effectivement, uniquement pour présenter les excuses. Et d'ailleurs, il faut revoir encore les images. Vous allez voir combien de temps il est resté debout avant que le président Goïta ne fasse son entrée dans la salle. Et il a présenté les excuses au nom de son aîné. Et c'est pourquoi quand il est sorti, il dit qu'en réalité, c'était un malentendu. Nous saluons qu'il soit revenu à la raison. Et nous pensons qu'ils vont toujours revenir à la raison et qu'ils vont libérer les prisonniers politiques du côté de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont beaucoup de prisonniers politiques de leur côté. Je vous remercie. J'embrasse mon ennemi pour mieux l'étouffer. Faudra surtout faire attention avec le camp qui se présente comme un véritable ennemi. Merci à vous, messieurs, pour vos différentes contributions. Et nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit autour de ce fait d'actualité. Les débats restent et demeurent ouverts. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Appel sur le continent, toujours sur Afrique Média Télévision. Bonne soirée à tous.